m'appelle Frédéric Lessieux, je suis artisan pâtissier depuis 1976, installé à mon compte à Valenciennes depuis 1992, et c'est pour moi un grand plaisir de vous accueillir dans mon laboratoire. Alors l'histoire effectivement est ancienne maintenant, puisqu'elle date du film Le Germinal. Vous savez que Claude Berry est venu à Valenciennes tourner ce film un petit peu, à Ambert, et puis bien évidemment encore une fois les pâtissiers du Nord étaient à l'affût d'événements, et donc on avait décidé de sortir un chocolat. Qui s'appelle le Thierry Le Germinal. D'ailleurs, vous en avez quelques boîtes, peut-être que vous voyez en arrière-plan. Et donc, on a sorti d'abord le chocolat et après, on a décliné le chocolat en entremets. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous voyez ici, on a fait bouillir de la lait, du lait, pardon, de la crème liquide et chicorée infusée qu'on va maintenant chinoiser comme ceci. Les jaunes d'œufs. Et le sucre que je vais mélanger au préalable. Une fois que l'appareil aura un peu blanchi, on va verser dans l'appareil jaune sucre notre émulsion de crème fraîche et de lait. Et maintenant, une fois que c'est fait, je vais remettre un peu sur le gaz mon cul de poule et cuire à 85 degrés l'anglaise. Ça va prendre une minute. Sur le gaz, mets la gélatine préalablement trempée dans l'eau froide pour l'avoir bien ramollie, bien pressée pour enlever le maximum d'eau à l'intérieur pour ne pas déstabiliser le travail qui a été fait. Je verse mon appareil dans l'entonnoir à piston et je vais couler mon pavé chicoré. Donc vous avez maintenant le pavé chicoré terminé. Alors maintenant, on va le passer au grand froid. Alors, on a notre chocolat au lait, ici, qui vient d'être fondu. Donc, chocolat au lait et une crème montée. Donc, voilà, on va faire effectivement le mélange. Donc, le mélange est terminé. On prend nos cercles avec nos fonds de biscuits et on va mettre maintenant notre mousse. On vient de démouler les inserts que nous avons faits. On les prend, on les met dans l'entremets, comme ceci. On appuie légèrement. On reprend la mousse restante. Et maintenant, nous allons lisser l'entremets. Voilà donc pour la partie d'entremets. L'entremets est terminé. Et maintenant, la finition. Alors la finition, un glaçage bien particulier. Alors le glaçage, c'est pareil, c'est du chocolat, c'est de la crème fraîche, c'est un nappage neutre qu'on met à l'intérieur encore une fois pour gélifier l'ensemble de l'appareil. On va le mettre sur carton. Bon, maintenant, on va mettre autour des petits carrés qu'on a fait comme ça, un peu, qu'on a marbré. C'est peut-être effectivement l'occasion de pouvoir y mettre quelques petites framboises pour rappeler un peu la saison. Si on le souhaite, on y rajoute le petit physialis. On va finir cet entremets avec le petit éventail en chocolat blanc, histoire de remettre cette note chocolatée supplémentaire. Voilà l'entremets qui est réalisé. Vous voyez, un entremets simple, somme toute, même si encore une fois, il faut quelques notions de pâtisserie pour pouvoir le faire, mais assez simple à réaliser par lui-même. Voilà. Maintenant, il est bon à mettre en vente. Chouette, effectivement, ceux qui le dégusteront, une bonne dégustation.